Aujourd'hui, notre sujet est l'oignon qui est un remède miracle. Traitement efficace pour les diabétiques. Antibiotiques et premiers soins. Les oignons sont supérieurs aux autres plantes dans leurs bienfaits médicinaux. Ils ont de grands avantages qui l'emportent sur leurs avantages nutritionnels, et il n'y a guère de maison dépourvue d'oignons. Il est donc indispensable pour la cuisson des aliments car il est inclus dans la composition de la plupart des aliments et il est utilisé cuit ou non cuit. Et il est souvent inclus comme composant de base de la salade. Il est cultivé dans toutes les régions du monde et consommé par toutes les classes sociales dans leurs repas, en particulier les pauvres, et les oignons contiennent des substances féculentes et protéiques en petites proportions. Traitement du diabète. Le diabète survient soit en raison d'un manque de sécrétion d'insuline et son traitement peut être administré à l'organisme pour compenser la carence en insuline en lui donnant régulièrement de l'insuline. Soit en réduisant les graisses et les amidons qui obligent l'organisme à excréter davantage d'insuline en suivant un régime alimentaire approprié. Il peut y avoir d'autres raisons à l'apparition du diabète. Le corps sécrète de l'insuline naturellement, mais il existe une enzyme spécifique produite par le corps qui neutralise l'effet de l'insuline. Et voici le rôle protecteur de l'oignon car il contient des huiles volatiles qui neutralisent cette enzyme et bénéficient ainsi à l'organisme de la sécrétion naturelle d'insuline. Par conséquent, manger des oignons crus est très bénéfique pour les diabétiques dont la maladie est en raison de l'augmentation de la sécrétion de cette enzyme. Les oignons sont très importants pour la croissance. Parce qu'il contient de la vitamine A, qui est l'un des facteurs de croissance les plus importants et est impliqué dans le processus métabolique, et le cobalt est inclus dans sa composition sous forme de vitamine D12. C'est également un facteur de croissance, comme il est recommandé, aux enfants pour leur croissance. Des utilisations topiques importantes. Dans le passé, les oignons ont été utilisés sous forme de gouttes pour traiter certaines maladies de la conjonctivite. Les oignons rôtis sont utilisés en médecine traditionnelle pour traiter certaines plaies, et une pincée de tranche d'oignon chaud peut être placée entre deux couches de tissu comme pansement pour la poitrine, les reins ou la vessie, et cette masse peut être saturée de vinaigre. Ce qui est utile pour soulager le furoncle et le verru. Le furoncle est une infection bactérienne profonde d'un follicule pileux provoquant la nécrose périfolliculaire et la suppuration. Les verrues sont des tumeurs cutanées bénignes. Le jus d'oignon est également utile pour arrêter la chute des cheveux, efficace pour le cuir chevelu. Il peut également être appliqué sur la peau considérée comme un anti-démangeaison, le mélasma et les maladies des ongles. Divers avantages dans le traitement des maladies pour les adultes et les enfants. Il peut être utilisé dans le traitement de la toux des enfants, oignons cuits et du miel ou du sucre végétal y est ajouté. Il est utilisé comme désinfectant intestinal, car il contient du soufre, par conséquent, il tue les microbes et constitue un obstacle à la croissance des bactéries streptocoques, de la diphtérie, de la dysenterie et de la tuberculose, et augmente également la sécrétion des muqueuses. Prévention du froid et de la grippe, car il contient des huiles volatiles avec une odeur piquante qui peut sentir. Il suffit d'exposer le nez à l'odeur des oignons pendant plusieurs minutes pour tuer les microbes pathogènes, car c'est aussi pour la prévention ainsi que pour le traitement. Il peut être utilisé en premier soin, en particulier en cas d'évanouissement ou de vertige en l'absence d'ammoniac, car l'huile volatile est utile pour stimuler la circulation sanguine et la nervosité. Il contient des hormones bénéfiques pour le bas, car il a un effet hormonal masculin clair, car des expériences ont montré qu'il augmente l'activité de la prostate ou des vésicules séminales. Il est utile en cas de lourdeur auditive, d'infection de l'oreille, d'acouphènes et de ce qui peut lui arriver à la sortie du pus, car il peut couler dans l'oreille pour traiter ces cas, et il est également utile comme diurétique et anti-fièvre. Il convient de noter que pour bénéficier de tous ces bienfaits pour la santé des oignons, nous devrions envisager de les manger crus en plus de les manger cuits, car, malheureusement, le processus de cuisson annule la substance active qui est à la base de la résistance aux maladies. Il existe une autre utilisation non médicale du jus d'oignon, car il peut être utilisé comme une encre secrète dans laquelle vous écrivez des messages secrets et vous ne voyez l'écriture qu'après une exposition à la chaleur, où l'écriture apparaît rouge-brun. La médecine alternative diffère de ces points, qui sont la prévention de la maladie avant son apparition par de multiples moyens, y compris le souci d'une alimentation équilibrée pour prévenir les maladies. Comme le déséquilibre, les niveaux de nutriments requis par l'organisme peuvent affaiblir sa résistance.
Il existe de nombreuses herbes et plantes naturelles qui sont utilisées ensemble pour la prévention et le traitement, et beaucoup d'entre elles ne sont à notre portée. Mais il est important d'utiliser ces plantes et herbes pour une utilisation correcte, et nous devons apprendre à connaître ces types et leurs propriétés préventives et curatives, de sorte que si nous interceptons une maladie, nous soyons capables d'agir de manière naturelle, et surtout, de prévenir qui vaut mieux qu'un traitement. Voici une liste de ces herbes et plantes et leurs bienfaits. Dattes, anti-diarrhée et incontinence urinaire, et les dattes sont riches en nombreuses vitamines, notamment en vitamine A, qui a un rôle important dans le maintien des yeux et de la peau et renforce la vue la nuit et prévient une activité excessive de la glande thyroïde. Persil, une plante à base de plantes consommées crues avec des salades ou cuites avec divers types d'aliments et a un grand effet sur la diurèse. Cresson ou pourpier, utile et laxatif pour l'intestin, et s'il est bouilli avec de l'eau, il est utile comme gargarisme pour les maladies de la bouche et de la gorge. Lupin, il est préparé en le faisant bouillir dans l'eau pendant 3 heures ou en le faisant tremper pendant 2 ou 3 jours, en tenant compte du changement d'eau de temps en temps, et il présente des avantages nutritionnels précieux tels que les haricots et les pois chiches. Quant à ses bienfaits médicinaux, il se résume à lutter contre la constipation et à nettoyer l'intestin des vers. Quant au lupin moulu, il entre dans la composition de la plupart des poudres de cuir car il lisse la peau et l'assouplit. Ail, il partage de nombreuses propriétés avec les oignons et peut être consommé cru et cuit. Ses avantages sont qu'il s'agit d'un diurétique et qu'il agit pour expulser les vers. Graine noire ou nigelle cultivée, parmi ces noms se trouve la graine noire, qui est une petite graine noire de la taille du sésame, qui est traditionnellement placée sur le pain, et parmi ses bienfaits médicinaux est qu'elle est un aliment tonique et appétissant. Et elle est prise en poudre avec du miel. Et, à partir de ces graines, une huile appelée huile de graine noire est extraite, et des gouttes de celle-ci peuvent être placées sur le café pour calmer les nerfs, et elle peut être utilisée comme stimulant pour la digestion, la salive, l'urine et les menstruations. Fenugrec, son nom est dérivé du lait, car il produit du lait pour les mères allaitantes, et le fenugrec en poudre est utilisé comme médicament dermatologique, et il est généralement prescrit pour les maladies pulmonaires, où du miel y est ajouté. Henné, le henné est utilisé dans l'industrie et la teinture. Si vous le mettez dans les vêtements, il le protège des mites, et la plupart de ses utilisations sont pour la décoration, car les paumes des mains et des pieds en sont tachées. Il est également utilisé pour teindre les cheveux et ses feuilles sont de deux types, rouge et noir, et ses bienfaits pour les cheveux sont très grands, car il les renforce et prévient leur chute et l'apparition des écailles des cheveux. Cubeza, il est consommé cuit car il est pris comme médicament, et il a des avantages médicinaux et nutritionnels dans ses feuilles et ses fleurs, car il est laxatif, diurétique et anti-démangeaison. Et son usage médicinal apparent est de faire un spray et de se gargariser des feuilles pour les maladies de la bouche et du pharynx, ainsi que d'en faire des gouttes pour les yeux. Sésame, plante à petites graines, elle possède une huile dorée qui n'a pas d'odeur et ne se rince pas, contrairement aux autres huiles. Il est considéré comme une graisse insaturée que les patients atteints d'athérosclérose peuvent manger, et il est utile pour traiter une gorge enflammée et une voix fatiguée. Il peut être remplacé par de la poudre de sésame, qui est du tahini, et du halva est fabriqué à partir de celui-ci qui est utilisé dans le même but. Influence d'alimentation sur notre santé. Avantages de l'oignon. Les avantages de l'oignon pour les diabétiques sont nombreux, car il agit pour réguler la glycémie, car il contient du chrome, le catalyseur de la régulation, et il agit également pour réduire le sucre dans le corps au moyen de soufre qui augmente les quantités d'insuline produites. Manger des oignons rouges réduit la glycémie pendant 5 heures chez les patients atteints de diabète de type 1 et 2, mais que les oignons ont la capacité de stabiliser la glycémie et d'aider les cellules du corps à interagir et à bien répondre à l'insuline. En raison de la présence de disulfure de propyl et de vitamine C. Il y a une relation entre une augmentation du taux de sucre dans le sang et une augmentation de la consommation d'oignons d'une personne, et que les oignons sont utiles pour les diabétiques malgré qu'ils contiennent des sucres, mais que le corps les absorbe facilement. Le taux de sucre dans le sang s'améliore de manière significative et le risque d'hyperglycémie diminue à un rythme rapide. Traitement du diabète. Parmi les bienfaits des oignons également pour les diabétiques, c'est qu'il joue le rôle d'antibiotique pour les patients diabétiques du pied et aide à traiter ce type, comme il agit pour se débarrasser des blessures aux pieds et protège les patients du risque de ces blessures. Et les oignons non cuits contribuent grandement à abaisser le niveau de sucre dans le corps, et vous pouvez mettre un peu de vinaigre ou de citron dessus ou le manger dans une salade verte.
avec des tomates et d'autres légumes. Et les oignons contiennent des antioxydants, ce qui aide à prévenir les diabétiques et à les protéger des complications graves de cette maladie, telles que l'apparition de problèmes cardiaques, et l'étude conseille aux patients diabétiques de manger un oignon au petit déjeuner et un autre au repas. Améliorer le système digestif. Les oignons sont très importants pour aider le système digestif, comme il contient des quantités suffisantes de fibres alimentaires solubles. Ce qui a un grand effet positif sur le processus digestif, ceci en créant un bon environnement pour la croissance et la reproduction de bactéries bénéfiques pour le processus digestif, ce qui conduit à renforcer et à améliorer le rôle de ces bonnes bactéries. Ce qui affecte positivement les performances du système digestif, et les oignons augmentent également la sécrétion de grandes quantités de sucs digestifs et réduisent les risques d'ulcères d'estomac, ils traitent également divers cas de diarrhée et prévient son apparition. L'oignon tue les vers de l'estomac, traite les infections de l'estomac et des intestins et réduit la gravité des crampes et spasmes résultant des vomissements et des nausées. Protection du cœur. Souvent, tous les problèmes cardiaques surviennent en raison d'une augmentation du cholestérol nocif ou mauvais dans le sang, et les oignons crus aident le corps à produire du cholestérol bénéfique, travaillant ainsi sur l'équilibre des types nocifs et bons. Maintenant ainsi une bonne santé cardiaque, et préservant le muscle cardiaque des blessures, et joue un rôle réduire considérablement l'incidence des crises cardiaques, il agit pour empêcher l'accumulation de plaques dans les artères ainsi que le corps de l'agrégation plaquettaire. Ce qui réduit les risques d'hypertension artérielle, empêche la coagulation du sang et le durcissement des artères, protège le corps de la pression élevée continue et la régule dans le corps, ce qui se traduit par la protection du cœur contre les maladies coronariennes. Et de nombreux autres problèmes, et ce faisant, il protège également les gens du risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Immunité et cancer. Les oignons contiennent des antioxydants qui protègent le corps contre les maladies. Ils renforcent également le système immunitaire et améliorent son rôle dans la résistance aux maladies, car il contient des quantités abondantes de vitamine C qui est utile pour l'immunité, et ainsi le corps se débarrasse de la sécrétion d'histamine, ce qui augmente la sensibilité. Le corps a de nombreux effets, et les oignons contiennent des composés qui contribuent un grand rôle dans la prévention des maladies cancéreuses, la protection et la prévention du cancer du cou, du côlon et de la tête. Et ils contribuent également à un grand rôle dans le traitement des cancers de la bouche, et agit pour arrêter la croissance des cellules cancéreuses et des tumeurs, et arrête l'avancée et la propagation des cellules maladies malignes de la prostate, des poumons, des ovaires et de l'endomètre. Et empêche les cellules cancéreuses de se propager dans le sein et présente des avantages contre les tumeurs en général. Teint éclatant. L'une des caractéristiques des oignons est qu'il agit pour purifier le sang, stimuler la circulation sanguine et fournir au corps des flavonoïdes. Ces caractéristiques contribuent à rendre la peau plus saine, brillante et fraîche, et les oignons ont un grand rôle dans le traitement des boutons et de l'acné, car ils contiennent des antimicrobes et des germes naturels. Substance antiseptique forte, et il peut protéger la peau de l'attaque des bactéries qui causent l'acné, et il protège la peau de diverses infections. Il existe une méthode utilisée comme traitement de l'acné en mélangeant une cuillerée d'huile d'olive avec une cuillerée de jus d'oignon, puis placée sur le visage pendant 15 minutes. Ajoutez de l'huile de lavande pour réduire l'odeur, et dans le cas de la fabrication d'un masque facial à partir d'oignons, la méthode est la suivante, 2 cuillères à soupe de jus d'oignon, 1 cuillère à soupe de lait et 2 cuillères à soupe de farine, et mélangez ces ingrédients. Puis mettez-les sur le visage pendant 25 minutes maximum, et vous obtiendrez un bon résultat du teint éclatant, car ce mélange agit pour éclaircir la couleur de la peau et se débarrasser des endroits obscurs. Traitement de la chute des cheveux. Les oignons contribuent au traitement de la chute des cheveux, car une étude récente a montré que les oignons aident à contrôler le phénomène de perte de cheveux, à traiter le problème des pellicules et à éliminer les infections fongiques et les dommages aux levures. Mais certaines études ont mentionné que le jus d'oignon prévient l'apparition de cheveux grisonnants et réduit l'attaque des cheveux gris sur la tête et le jus d'oignon peuvent être placés sur le cuir chevelu pendant une période de 15 à 20 minutes. Et une boîte de shampoing au jus d'oignon peut être faite, et il se compose d'une tasse de jus d'oignon et d'une tasse de jus d'ail à ajouter au type de shampoing adapté à la personne, avec une cuillerée de miel pour éviter de sécher les cheveux. Puis secouez bien la boîte pour mélanger les ingrédients, et lavez les cheveux avec ce mélange une fois tous les 6 jours.
Et la deuxième façon de faire une peinture pour cheveux est de mettre un oignon de taille moyenne dans le mélangeur avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et un nombre approprié de gousses d'ail, et de bien frapper ces ingrédients dans le mélangeur, ensuite. Ce mélange est appliqué sur les cheveux une fois par semaine pendant 2 heures, et le résultat est des cheveux épais tout en renforçant les follicules pileux. Faible calorie. Les oignons sont considérés comme une plante vivace et leur maison d'origine est en Asie centrale, puis déplacés d'eux vers la région méditerranéenne, et c'est l'un des légumes qui sont maintenant cultivés dans tous les pays du monde. Les oignons ont occupé une grande importance dans de nombreuses civilisations anciennes, y compris la civilisation des pharaons car il a d'innombrables avantages, et les oignons et l'ail sont une famille. Et les oignons contiennent des composés soufrés qui le distinguent par une forte odeur piquante, et les oignons contiennent peu de calories, glucides, protéines, graisses, fibres alimentaires, vitamine C, vitamine A, ainsi que du sodium. Le potassium est parmi les minéraux fer, calcium, cuivre, magnésium, manganèse, phosphore et zinc. Diabète insuline naturelle. Aliments qui sécrètent de l'insuline naturellement. Certains aliments contrôlent le taux de sucre dans le sang, notamment. Oignon, il contient de nombreuses substances pour réduire la glycémie, abaisser le taux de cholestérol et améliorer les fonctions corporelles, même si les oignons jaunes ou blancs sont meilleurs que les rouges. L'ail, c'est l'une des meilleures plantes pour abaisser l'hypertension artérielle, réduire le sucre, le cholestérol et résister aux infections, et il convient de noter que manger des bâtonnets de persil après avoir mangé de l'ail ou des oignons enlève leur odeur de la bouche. L'huile d'olive, elle réduit le cholestérol et la pression artérielle. Coriandre verte, elle réduit le sucre, ainsi que la résistance aux infections. Figue de Barbarie, elle améliore les performances de l'insuline et abaisse le cholestérol. L'artichaut, est un contrôle du diabète et du cholestérol, un traitement contre la goutte et un tonique pour le foie. Céleri, il réduit le sucre, la pression et combat l'insomnie. Les céréales, qui sont les lentilles, les haricots secs, les niébés, les pois chiches, le soja, les tompas, le lupin, les pois chiches, le blé et le maïs, sont tous des céréales consommées sans enlever la peau et présentent plusieurs avantages, notamment la réduction de la glycémie, le cholestérol, l'hypertension artérielle et le traitement de la constipation et du côlon. Le poivron rouge, piment rouge est l'un des meilleurs traitements pour les douleurs et brûlures aux pieds causées par l'inflammation des nerfs périphériques dus au diabète. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.